J'aime bien jouer avec des mots. Alors, ça va être un petit peu ça, l'exercice en question. C'est simplement de jouer avec quelques mots. L'organisme dont je fais partie est très peu connu. La vitrine technologie éducation, entre autres choses, on travaille sur les ressources éducatives libres. Alors, on sait très bien que Open Knowledge Foundation, c'est pas seulement des données ouvertes, des données libres. C'est aussi toutes sortes d'autres choses, y compris l'éducation ouverte ou l'éducation libre. Et c'est un petit peu pour ça que je me suis mêlé à l'organisation de l'événement. C'est que je m'intéresse beaucoup à l'éducation libre, à l'éducation ouverte. Alors, vous allez certainement voir une espèce de biais dans la présentation en question, qui est simplement quelques mots que je veux vous donner pour vous faire réfléchir aux mots qu'on utilise. On est assez chanceux en français qu'on a le mot « libre » qui est utilisé aussi en anglais pour désigner certaines choses. Contrairement au terme « open » qui est utilisé dans « Open Knowledge Foundation », par exemple, on utilise vraiment « libre » à toutes les sauces, mais entre « libre », ça peut être aussi « free », de dire que c'est sans coût, mais c'est aussi une question de liberté. Alors, vous connaissez certainement la distinction entre « free as in beer »,« free as in speech ». On veut la liberté comme la liberté d'expression et non la liberté comme simplement la liberté du coût. Et penser aux sources qui sont souvent ouvertes. Alors, le terme « ouvert » est aussi approprié. Le développement comme tel, c'est presque un jeu de mots, que développement, ça veut à la fois dire le développement du code logiciel et le développement ou même le post-développement, quelque chose qui m'intéresse énormément. Je suis anthropologue de formation et je travaille avec en situation de post-développement en Ouganda et ainsi de suite, avec des bénévoles qui s'en vont en Ouganda. Alors, de penser au développement comme quelque chose qui peut aussi être ouvert. C'est d'ailleurs ce qui a été mentionné dans un groupe sur Open Education, faisant partie de Open Knowledge Foundation, de disant que les liens entre les différents concepts dont on parle, finalement, c'est peut-être par le développement libre ou ouvert, open development. Alors, on peut penser la même chose avec le gouvernement, et je vais passer vite sur les autres termes, mais d'y penser comme ça, que tout ça ensemble peut être libre, ouvert, free, open, de différentes façons, même la définition ouverte. Le terme, voit en anglais comme en français, mais la définition de l'ouverture par la Open Knowledge Foundation, qu'est-ce qu'ils considèrent comme étant ouvert? J'utilise ça beaucoup comme, en fait, l'inspiration pour la présentation et pour plusieurs de mes actions, c'est que je vois qu'on a des sujets en commun. On en reparlera sur l'heure du midi. Je vais faire une espèce d'activité salon. Vous pouvez participer ou non, mais je vais essayer de vous inciter à y participer pour faire une cartographie des enjeux qui nous unissent et aussi qui nous distinguent. Puis aussi faire une cartographie des acteurs de toute cette mouvance-là qui regroupe toutes ces choses-là, y compris les données ouvertes. Alors, on a beaucoup parlé de données ouvertes jusqu'à maintenant, c'est extrêmement important, mais ce n'est pas exclusif. Ça ne couvre pas tout le large champ. Et on a aussi parlé de logiciel libre un peu, mais ce n'est pas spécifiquement juste là-dessus parce que c'est très, très large comme sujet. Puis, il y a beaucoup de trucs qui ont rapport à ça. Je suis allé au sommet des données ouvertes à Ottawa l'année dernière. J'habite à Ottawa, alors c'était très pratique. Je remarquais que personne n'a même mentionné l'éducation ou la formation ou quoi que ce soit. C'était essentiellement sur l'administration municipale ou fédérale. Il n'y avait même pratiquement rien sur le provincial. Et c'était peu sur l'aspect connaissance qui vient des données. C'était vraiment de, bon, des hackers vont faire un hackathon, vont créer une application à partir des données, puis c'est à peu près ça. J'exagère un peu, je caricature, mais c'est un petit peu l'idée qu'on oublie qu'il y a beaucoup d'autres choses qui viennent, y compris l'accès libre. Alors, on parlait du domaine public, on parlait de l'accès libre aux données de recherche de Julien, par exemple. Tout ça va ensemble. Les badges ouverts, open badges, de la Fondation Mozilla, mais aussi par la suite, maintenant, c'est approprié par beaucoup de personnes. Notre organisation a travaillé là-dessus, la Vitrine Technologie d'Éducation a travaillé sur les badges ouverts, les badges numériques ouverts en éducation, mais ce n'est pas seulement en éducation. Puis c'est quelque chose qui permet de relier des ressources entre elles, y compris des ressources humaines, des personnes qui ont des compétences similaires, de lier des compétences à des personnes, de lier des compétences à des objets d'apprentissage ou des objets de formation, et de vraiment créer une connaissance ouverte. Un truc qui m'a beaucoup motivé dernièrement, c'est les annotations ouvertes. Il y a un standard qui vient du W3C qui s'appelle Open Annotation. Il y a Renoir Boulanger qui est un Montréalais qui a travaillé beaucoup là-dessus.
Ce standard-là est maintenant utilisé de plus en plus par un organisme qui s'appelle Hypothesis, avec John Udell qui travaille pour eux. Ce système d'annotation-là, on s'est rendu compte il y a juste quelques jours, puis je me suis dit que j'allais le mentionner, je trouve ça très intéressant, c'est qu'on peut annoter n'importe quelle page web maintenant. Bon, il y a eu toutes sortes de systèmes depuis la première version de NCSA Mosaic de Mark Andreessen. Puis Andreessen est d'ailleurs un des backers financiers de Genius, Rap Genius, qui est devenu maintenant juste Genius comme tel, pour faire des annotations de n'importe quelle page web. On s'intéresse beaucoup aux annotations de n'importe quelle page web, mais maintenant que c'est utilisé, on s'est rendu compte qu'il y en a certains qui utilisaient ça pour faire de l'abus, pour avoir des propos abusif à l'égard des auteurs, y compris une auteure qui travaillait sur les MTS, des infections transmises sexuellement. Elle se faisait comme critiquer par une éditrice de Genius. Puis là, on se dit, bien, c'est ouvert, c'est correct, ta page, de toute façon, est publique, t'as pas à chialer. Mais c'est un peu comme si on a une couche par-dessus un texte, une page web, il y a quelque chose où elle est l'appropriation de ses propres données, de ses propres textes, de ses propres contenus, puis comment on peut avoir un véritable dialogue quand on fait juste surimposer une couche sans demander la permission ou quelque chose comme ça. Alors, une discussion qui a lieu sur ce degré d'ouverture-là, puis si on accepte ou non d'en faire partie. Alors, il y a une question de opt-in, opt-out, est-ce qu'on opte pour en faire partie ou non? Il y a quelque chose que je trouve très intéressant là-dedans qui peut donner à réfléchir. Puis il y a évidemment plusieurs autres concepts. On a parlé d'OpenStreetMap juste il y a quelques secondes. Open Learning, c'est pas nécessairement la même chose que Open Education. Ça peut être en dehors du circuit de l'éducation, en dehors des institutions, y compris le ludisme. Open Play, c'est pas un jeu. Un jeu, il y a vraiment des règles, il y a des points, il y a la ludification. La gamification, c'est vraiment sur avoir des mécanismes du jeu sans avoir l'ouverture du jeu. Mais le jeu ouvert, c'est vraiment sur le ludisme en général. Bien, cette ouverture-là, elle peut nous être utile pour explorer. Plutôt que se dire c'est une question de droit sur des données, sur des textes, sur des trucs comme ça, c'est aussi se donner la possibilité d'explorer. Quelque chose que j'ai pas mis, c'est open hardware. Le fait qu'il y ait des trucs comme plusieurs ordinateurs qui peuvent être construits avec de façon assez libre. Je trouve ça très intéressant. Puis ces derniers temps, j'utilise beaucoup Raspberry Pi. J'en ai parlé avec quelques personnes tout à l'heure. Je trouve que ça nous ouvre vraiment l'esprit. C'est vraiment un jeu de mots de parler d'ouverture. Open mind, c'est pas la même chose qu'open knowledge. Ben, peut-être. Open heart, c'est open our hearts, ouvrir son cœur à toutes sortes de choses, mais c'est aussi open heart surgery, des trucs comme ça. Je pensais même à la cuisine ouverte. J'ai travaillé dans une cuisine ouverte, dans un restaurant, où c'était le cas que ça fait vraiment une différence qu'on est dans une cuisine et les clients peuvent nous voir pendant qu'on fait quelque chose. Une question de transparence là-dedans. Alors, si on a la même chose dans un contexte, par exemple, d'éducation ou de recherche scientifique, si on fait la recherche de façon ouverte, c'est aussi comme une cuisine ouverte où on peut regarder qu'est-ce qui se passe dans la cuisine pendant qu'elle se passe. C'est pas seulement l'accès aux données en finale de la recherche, c'est aussi l'accès à ce qui se passe pendant tout le processus. Alors, pour moi, puisque je suis anthropologue, je m'intéresse beaucoup au concept de culture. Puis c'est un des concepts clés, selon moi. C'est qu'une culture d'ouverture et une culture de liberté, c'est pas seulement une valeur partagée. C'est aussi des références partagées à tout ça. De se dire, qu'est-ce qu'on partage, puis on va en reparler plus tard, probablement ce midi, pendant le lunch, qu'est-ce qu'on partage, c'est peut-être certaines valeurs, mais certains sont plus puristes que d'autres. Par exemple, j'utilise beaucoup d'ordinateurs qui sont absolument pas libres, qui roulent sur des systèmes d'exploitation qui sont absolument pas libres. Mais par contre, je tiens à cœur le logiciel libre et des trucs comme ça. Alors, cette valeur-là est quand même présente pour moi, mais elle est jaugée avec d'autres choses. Par contre, on a des références communes. J'osais parler du manque de diversité dans notre scène, c'est quand même vrai. Il y a une certaine diversité, mais c'est pas représentatif de la population montréalaise, c'est pas représentatif de la population mondiale, très certainement. Si c'était représentatif, la moitié d'entre nous proviendrait d'Asie du Sud ou de l'Est, finalement. Là. Si on parle d'une démocratie mondiale, ça serait vraiment un vote pour chaque personne sur la planète. Les Nord-Américains, on pèserait pas lourd dans la balance. Alors, c'est de se dire ouvrir les vannes, mais de aussi percevoir nos limites par le partage de certaines choses. Alors, plutôt qu'utiliser le reste du temps, si vous avez des questions, sentez-vous libre. Oui. Un truc que je dis souvent, c'est free market.
Mm-hmm. Parce que les gens, ça les prend un peu par surprise si on parle de logiciel libre. Après ça, oui, comme dans Free Market. Elle est bonne, celle-là, oui. Ben, Free Trade, en plus, je m'intéresse beaucoup au café. Free Trade, c'est exactement le contraire de Fair Trade. C'est un des jeux de mots que les gens ont utilisé. C'est non, not a free trade, a fair trade. Ben, le terme free est usurpé et galvaudé et tout ça. Mais free market, c'est exactement ce qu'on... Tu sais, c'est du vrai libéralisme. Puis c'est exactement l'opposé... Ben, pour certaines personnes, c'est exactement l'opposé du logiciel libre. Pour d'autres, c'est exactement la même chose. Pour Salmon, il veut cet échange-là aussi à partir du logiciel, mais pas nécessairement dans le coût du logiciel, de l'accès au logiciel. Alors, c'est des choses qui sont complexes. C'est un petit peu pour vous donner l'impression que c'est complexe. Mais c'est, en termes de ressources éducatives libres, mm-hmm. est-ce que VTE fait aussi dans la facilitation de mise en place des politiques éducatives dans ce sens-là? Parce que je suis VTE quand même, ça fait un bon bout. Ouais. J'ai organisé des événements au Cameroun sur l'intégration des ressources éducatives libres dans l'enseignement. Donc, je me demandais si vous faites aussi dans la politique, parce que le problème aussi, c'est l'ignorance, en fait, de certains dirigeants ou bien de certains responsables qui ne savent pas ce que c'est. Tout à fait. Alors, oui, on travaille là-dessus. Nous, on ne prend pas de décision pour les autres, mais c'est vrai qu'on est des advocates, on est des gens qui vont pousser. Ça fait partie de nos valeurs, les ressources éducatives libres. Et y compris sur des politiques qui vont être mises en place sur favoriser les ressources les plus libres possibles. Une des grandes différences à faire, que je trouve personnellement, c'est la différence entre l'accès ouvert ou l'accès libre aux publications scientifiques. On se dit, c'est vraiment l'accès. Mais les ressources éducatives libres, c'est pas ça du tout. Oui, il y a l'accès, la question des manuels libres. Il y a Pressbooks, qui est un plugin montréalais pour WordPress, qui est utilisé pour faire des manuels libres en Colombie-Britannique. C'est génial, mais c'est pas juste pour sauver le coût du manuel. C'est aussi pour avoir tellement de liberté, tellement d'ouverture avec ça qu'on peut le remanier. Alors, des politiques là-dessus, on aide les gens à créer leur propre politique institutionnelle. Oui. On travaille avec des cégeps de la province, en fait. On travaille surtout avec les collèges au Québec. Et c'est leur propre politique institutionnelle, mais aussi éventuellement de développer le réseau de tous ceux qui en produisent et qui font le référencement, qui indexent des ressources libres. Et à travers ça, on peut les mettre de l'avant pour leur montrer que c'est pas seulement une question de qualité, c'est aussi une question que l'apprentissage passe par la création de ces ressources-là. Alors, on travaille avec des partenaires à travers la francophonie, par exemple. Ces temps-ci, on a un projet avec l'AUF, l'Association universitaire francophone, spécifiquement sur l'utilisation de catalogues de ressources éducatives libres. Ça passe par les politiques d'usage de ressources éducatives libres, mais très spécifiquement sur les standards de référencement de ces ressources-là. Okay.